Si vous êtes en train de manger, je vous conseille d'arrêter immédiatement parce qu'aujourd'hui, on va regarder des choses qui ne sont pas très ragoûtantes. Nous allons explorer l'infiniment petit. C'est grâce à une vidéo du Grand JD que j'ai découvert le Digital Microscope. Il s'agit de cette caméra que nous allons utiliser aujourd'hui pour regarder des choses microscopiques. Je vous ai préparé une petite liste des trucs que j'avais envie de regarder. Je les ai pas regardés à l'avance, on va les découvrir ensemble. Il y a juste une petite chose que j'ai filmée il y a quelques jours. Parce qu'en fait j'avais des coups de soleil, mais du genre des vrais coups de soleil bien brûlés, bien la peau bien arrachée, les cloques et tout ce qu'il faut. Et du coup, bah, je suis désolée, j'avais envie de vous partager ça en fait. Et du coup on va regarder ça en vidéo. Alors pour les âmes sensibles, je vous mettrai à combien de temps vous pouvez avancer la vidéo pour passer à la suite. Mais en attendant, pour ceux qui restent, on va regarder ça de plus près. Pour les plus courageux d'entre vous qui sont encore là, voici ce que j'ai filmé. Ce que vous voyez là, ce sont les coups de soleil que j'avais sur les épaules. Je suis désolée, je vous avais prévenu que ce serait pas très joli à regarder, mais en tout cas je trouve ça intéressant, on voit vraiment de très près la peau arrachée, désolée pour les détails. Normalement les autres trucs que j'ai prévu d'observer seront un petit peu moins dégoûtants, il y a peut-être une ou deux choses encore qui sera pas très jolie à voir. Voilà, votre calvaire est terminé, bravo à ceux qui ont regardé et bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. On va passer aux petites choses qu'on va observer ensemble. On va commencer par un petit truc assez simple. On va observer du sel. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh! On a quelque chose de sympa, là. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Ah ouais! Ah, c'est trop bien! Regardez, ça c'est tous des petits grains de sel. C'est carré un grain de sel en fait. Incroyable. Aujourd'hui on aura tous appris que le sel est carré. Du coup je me pose une question, est-ce que le sucre c'est carré? Bon, je reviens avec un petit peu plus de choses que prévu. On dirait qu'on va lancer un cours de cuisine. J'ai du coup du sucre, de la farine et du poivre. On y va pour le sucre. Alors, il y a plus... Enfin, je dis peut-être n'importe quoi, mais il y a plus de formes quand même différentes que dans le sel, on dirait. Ouais, peut-être un peu plus de carré dans le sel que dans le sucre. Cette phrase n'a aucun sens. On va passer à la farine. Est-ce que ça va être pareil d'après vous? Allez, c'est parti pour la farine. Ah bah, je m'attendais pas à un truc comme ça. C'est chelou. Alors c'est beaucoup plus petit que les deux autres, un peu moins géométrique. On dirait de la neige en fait, un peu. On va passer au poivre. Alors ça fait comme des petits cailloux de différentes couleurs. Waouh ! C'est trop beau du poivre de près, on dirait vraiment des rochers. On dirait vraiment qu'on se balade sur des falaises avec des rochers. On va passer à la suite. Je m'apprête à faire un truc un peu dégueu. Il y a vraiment que sur la chaîne des passeurs qu'on voit des trucs comme ça. Allez, on est parti pour la salive du coup. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais essayer de pas noyer la lampe. Oh, dégueu! J'aime beaucoup. Oh, ça fait des bulles qui éclatent. Je suis désolée, j'adore cette caméra. Je vais zoomer. Je vous imagine tous derrière votre écran en train de dire « Mais non, zoom pas, zoom pas !» Si, si, je vais zoomer. Bonne grosse bulle ici, attendez. J'essaie de la voir. Ouais. Ah oh ! Je l'ai éclatée. S'il vous plaît, ne vous désabonnez pas. Maintenant que je vais pouvoir nettoyer tout ça, c'est dégueulasse. Une éponge. Oh. Alors ça... Ça c'est bien sympa. On va se balader un petit peu du côté vert. Waouh. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, on voit tous les filaments là de l'éponge.
Waouh! C'est incroyable, regarde! Oh, mais c'est trop beau! Je sais pas vous, mais moi je kiffe ce tournage. On se croirait dans un monde fantastique. Si cette vidéo vous plaît et que la caméra vous intéresse, je vous mettrai les références dans la description. En tout cas, c'est passionnant parce que la vidéo peut pas durer des heures, mais franchement, je passerai beaucoup de temps à regarder tout ce que je trouve. Regardez ça, même mes chaussettes, elles sont passionnantes, quoi. C'est ouf. Alors, pour cette suite de la vidéo, je ne serai pas seule puisque j'ai un invité à vous présenter. Je l'ai trouvé tout à l'heure dans la douche et je me suis dit que ce serait intéressant de travailler avec lui avant de le relâcher. C'est un petit insecte vivant. Je m'étais dit que je chercherais après un insecte mort et puis comme j'en avais un vivant sous la main... Ah ! Il gigote. Merde, ça va pas être facile ça par contre. Alors, je sais pas si je vais arriver à avoir quelque chose de net pour celui-là. Il est en train de tourner sur le dos là. Waouh ! Ah là, on est pas mal là. Bon, je sais pas c'est quoi comme bestiole, hein, mais... En tout cas, grand merci à Alfred qui participe à cette vidéo. Il a pas l'air très content de le faire. On va pas embêter Alfred plus longtemps, je vais aller le relâcher. Et on passera à autre chose. On va passer à quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai préparé quelques petites pierres semi-précieuses. Alors, on a une très belle géode, enfin, une druse d'améthyste. Oh, eh ben, je suis pas déçue. Waouh. C'est trop beau! Regardez cette couleur! C'est magnifique! On se croirait dans la galaxie! Vous trouvez pas? Waouh! Waouh, c'est fou! Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? J'avais noté un œil, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Là, je vais m'éclater le... Attendez. J'ai peur que ça m'abîme les yeux, en fait. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est des cils avec du mascara dessus. Faut pas que je bouge. Oh, ça y est, j'ai quelque chose de net. Oh, bon, par contre, j'ai des lentilles. Donc, il y a de grandes chances que ce que je filme, ce soit la lentille. C'est compliqué parce que la lampe reflète sur ma lentille. Ah, c'est ça que j'aimerais voir bien. Ah là, on avait quelque chose de sympa. Yes. Bon, je vois pas bien à l'écran ce que ça donne, je sais pas trop du coup si c'est bien net ou pas. Parce que c'est pas facile de regarder et de filmer mon œil en même temps, franchement. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée que j'ai eue non plus. Ouah. Eh ben... Bon, j'espère que ça donne quelque chose de sympa. Alors, on va essayer avec un écran de portable. Wow. Oh, mais si, ça marche. Wow, je sais pas c'est quoi ça, mais... Wow. Alors on va essayer maintenant sur une plume, une toute petite plume. Ouh. Waouh. Ah ouais. D'accord, sur chaque petit poil de plume, il y a encore des petits poils. C'est pas mal. C'est pas pour boire, c'est pour observer. On va regarder ce que ça donne. Un glaçon. Ah, regardez, on voit l'eau qui bouge. On voit que c'est en train de fondre. C'est cool. Regardez, il y a des trucs qui passent. Waouh, je bouge pas. Enfin, j'essaie de pas bouger. Il y a des points qui passent à travers. Oh, on dirait un diplodocus. Ça y est, je vais recommencer avec ça. Vous le voyez, le diplodocus, là, qui se lèche le dos. On va salir le bureau un petit peu plus, avec le coca.
Alors ça, c'est l'inconvénient avec le liquide, ça reflète toujours un peu. Je vais essayer de faire une meilleure mise au point. Oh, waouh, on a une bulle de tout près. C'est fascinant. Ah, regardez, la bulle s'étend. Bon, mes lumières viennent de s'éteindre et ça tombe bien parce que ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en extérieur pour aller filmer d'autres choses intéressantes. Allons-y! On est parti pour la suite de cette vidéo en pleine nature cette fois. J'ai vu plein de petites choses que j'avais pas prévues à la base qui pourraient être intéressantes. Donc c'est bien parce que du coup ça me donne plein d'idées. On va aller explorer tout ça tout de suite. Alors on va tout de suite commencer par quelque chose qui m'inquiète beaucoup puisque j'ai eu l'idée de filmer des orties. Vous pouvez être sûr que je vais me faire piquer. Ah voilà, regardez. Tous les petits pics le long de la feuille. Oh bah parfait. Je voulais une fiente d'oiseau, il y en a une par terre. C'est parti. Oh. Oh. Ah, mais c'est... Ah, c'est très bizarre. Oh. Bon appétit, les amis. Ah, mais c'est un ver, c'est vraiment un ver. Ah, bah j'ai choisi la bonne fiente, dis donc. Il y a vraiment un ver dans cette fiente d'oiseau. C'est dégueulasse. Ah, il est ouvert ici. Regardez. C'est horrible. J'hésite entre horrible et génial en fait. Bon, j'ai réussi à filmer tout ce que j'avais noté sur ma liste, donc maintenant c'est freestyle. Alors il y a des petites fourmis là, vivantes du coup. Je vais essayer de les avoir, mais ça risque d'être un peu chaud. Ah, vous l'avez vu passer là? Si j'arrive à l'avoir de façon nette. Fourmis. Là. Oh, waouh. Oh, waouh. Encore. Oh, c'est génial. Oh, je la veux encore, je la veux encore. Attendez. Qu'est-ce que... Mais attendez. Il y a une fourmi morte, là. Mais attendez, est-ce que c'est moi qui viens de l'écraser ? Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Le compte Instagram est dans la description. Et surtout, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on fera un épisode 2 parce que j'ai encore plein d'idées. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !